Eh bien salut tout le monde, c'est Mister Twi'lek, on se retrouve sur Fallout 4 encore une fois. Et là je suis à Pépinière, Green Top, pour le problème de pierre qu'il y a eu. J'espère que ce sera pas trop répétitif celle-là, puisque je me rappelle pas de la... Enfin je pense que c'est encore un truc, tu vas aller en endroit, tu fais des pierres, mais... pas ça que je parle. Ah oui, j'ai pas encore été voir. Je dis que j'irai la dernière vidéo, mais j'ai toujours pas été. Bah, il faudrait que j'y aille vraiment. Sinon, ils vont avoir de sacrés problèmes. Je ferai l'émission principale après que j'aurai déverrouillé le château. Enfin, là, je vais déverrouiller, mais je parle de l'armement. Donc, si vous connaissez le jeu, vous voyez de quoi je parle. L'armement spécial des miliciens. Mais pour l'instant, je vais continuer à régler les Six problèmes. jours, il faudra que je retourne à Diamond City, c'est la plus grande ville que je On connaisse. aurait bien besoin de votre aide. Ouais, je viens vous aider. Qu'est-ce qui se passe? Ils nous menacent quand on ne leur donne pas ce qu'ils veulent. On sait Ouais. d'où ils viennent. On n'est pas... Ok. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de ces... Tant mieux. Ouais, je passe les dialogues parce Si que vous vous voulez un imaginez toujours écouter conseil, la même chose. ne vous approchez pas du Alors, vieil asile d'aliénés. inspectez ce lieu, asile d'aliénés. C'est un divers, ça. Ah, c'est où? Si, si, l'asile. Eh ben non, je vais pas y aller, ce sera pendant une mission, donc je vais pas y aller. Enfin, j'irai, mais après. Puisqu'il y en a un qui va nous demander une mission et ça va nous emmener là-bas. Du coup, c'est bon, je suis pas obligé de la faire maintenant. Du coup, je vais aller à la station. Est-ce, où est-ce que c'est? C'est là-bas? Ok. Bon bah, vous n'avez pas encore découvert ce lieu. Du coup, je vais me TP ici à Marina. Marina comment? Rib. Ah ouais, c'est ça, Rib. Comme ça ira beaucoup plus vite. Après tout, je serais pas obligé de TP, mais c'est juste que. Après, si je fais. Que je me TP jamais. Mais en fin de compte, les vidéos, ils seront longues et il y aura pas beaucoup de missions. Et ce sera que surtout de la marche. Ça va être un peu chiant à la force. Surtout que moi, à chaque fois que je me balade, bah dès qu'il y a un truc, faut, je suis obligé d'y aller. Donc voilà, donc je pense que c'est mieux de se TP. Puis, vous pourrez pas me dire à mesure que Ça finira bien un jour. elle sera pas Mais sortie pour maintenant. l'instant, qu'est-ce que j'ai à faire? De quoi? Ok, bon, je vais régler leurs Ouvre le problèmes. feu! Là, ça va se Merde. J'ai du mal à vider là. Voilà, bon, problème réglé pour lui. Il y en a un en haut normalement. Ouais, il y en a un. Ouais, rien ne nous oblige, mais là on est obligé de se défendre quand même. Hop. Je vais lui régler son problème. Headshot. Oh, du New Coca-Cola. Du New Coca-Cola. Ah non, c'est du New Cacherie. Chier, moi je veux du New Coca-Cola. Enfin bref, je sais où en trouver, mais je sais pas s'il y en aura. Bon, c'est qui me tire dessus là? Je commence juste à m'échauffer. Merde. C'est vrai que t'appelles t'échauffer? Eh ben dis donc. Merde. Désolé pour ma visée, mais là. Voilà, là je suis dessus, mais il veut pas lui tirer dessus. Ça c'est mal fait. Quand t'es comme ça, tu. Bah, tu peux pas viser correctement. Alors, comme ça, bon, certes, c'est plus précis. Moi, j'aurais bien aimé tirer comme ça, et même s'il y a le curseur, ça va directement sur le curseur. Oh, c'est qui me tire dessus, toi? Voilà. Y a casque, vous les voyez toujours? Bah, je vois personne, donc je pense pas. Mais bon. Hop, on va ouvrir. T'es toujours pas. Bon, t'es obligé de me tirer dessus, toi? Vous avez fait du bon boulot. Voilà. Bon. Toi, t'as toujours pas de Nuka-Cola. Ouais, j'ai du mal avec Nuka-Cola. Maître! Sérieux, heureusement que mon épingle, elle se cache jamais. Hein. Et c'était pas de la triche. C'est pas un mode du tout, c'est dans les compétences. Il y a un mode que j'ai essayé, c'est genre. Génial.
Dès qu'on arrive au crochetage, on peut juste rester et puis bouger l'analogue. Ou la souris, c'est sur PC. Mais moi là, c'est sur PS4. On a juste à bouger et puis hop, c'est bon. Tout l'écran, ils sont ok. Mais bon, si j'aurais pris ce mode, ça aurait été trop facile pour les crochetages et puis ça fera encore moins de gameplay. Enfin, pour moi. Bon alors, pour les livres, est-ce que j'en ai à donner? De toute façon, j'ai 1000. Apparemment, j'en avais pas. Alors, qu'est-ce que tu me proposes? Grenade frag, couteau, du jet, 10 mm. Ah, réacteur à fusion. Ouais, bon, Steam Pack. Pire, hein. Ça me coûte rien. Ah ouais, mais il faut le faire à chaque fois. Ok, bon. Bon, allez, vous savez quoi, ça me saoule. C'est trop long. Ah, j'espère qu'il y aura du Nuka-Cola là-bas. Au pire, je pense qu'il y en a. Et là-bas, il y a une cuisine. Je vais aller voir la cuisine. Enfin, si c'est une cuisine. Mais dans mes souvenirs, c'est une cuisine. Oh, la grenade à frag. De quoi, Piper? Pas trop compris. Faites-lui la peau. Ouais, si tu veux. Headshot, motherfucker. Oh, mon analogue, il arrête pas de bugger. Je sais pas ce qu'il a. Genre, je le mets en haut, puis mon perso, il va quand même aller à gauche ou à droite, ça dépend de son envie. Mais c'est bizarre que ça bug. C'est la première fois qu'elle fait ça. Enfin, pas la première fois en soi, mais depuis ce mois-ci, elle le fait plusieurs fois, mais c'est depuis ce mois-ci que ça le fait. Peut-être qu'elle va rendre l'âme, la manette, mais je pense pas. Ça fait 2-3 ans que je l'ai, connerie comme ça. Pas si sûr. Bon, on va y aller. T'es où, Piper? Ah, j'ai oublié. Voilà. Alors. Piper. Je sais pas où elle est. Elle se tépera au pire. Parce que j'ai pas entendu dire qu'elle avait un problème, donc. Puis j'ai même pas vu le message pour dire qu'elle avait un problème non plus. Peut-être qu'au bout d'un moment, parce que j'en étais à dire que je me TP souvent, peut-être qu'au bout d'un moment j'arrêterai de me TP et que je me promènerai tout le temps. Certes, ce sera un peu chiant, mais voilà. De la bonne détente quoi, quand on marche, on court. Moi, je pense que je ferai ça, genre juste pour se détendre, on balade dans la map. Surtout, c'est où est-ce qu'il y a des. Au nuage toxique là. Je sais plus comment que ça s'appelle. Ben là-bas, c'est bon. Irradié. Et je pense que là-bas, je vais quand même bien me balader. Parce que là-bas, il y a des trucs intéressants. Enfin, pour moi, je trouve que c'est intéressant. Et c'est un bon univers en plus. Bon, on va discuter avant. Bon, y a rien ici. Normalement, ici, je viens tout le temps parce que je crois toujours qu'il y a un livre, une figurine, une connerie comme ça. Ouais, j'ai beaucoup de conneries comme ça. Bon, là-bas, je peux pas encore y aller. Là. Là. Bon, ça va, novice. En fait, vous savez, je me plains que je fais. Pas beaucoup de missions par vidéo, mais en fait c'est déjà de base, même avec du TP. Ouais. J'en fais pas vraiment beaucoup. Parce que comme là je me balade souvent, enfin dans les autres vidéos je me rappelle pas si je me baladais souvent, mais je sais qu'en vidéo je me balade tout le temps. Non. Oh si, allez. Ah, t'étais quelque part là? Oula, ah non, il est là, d'accord. Fusil de combat, ouais, bah, tu peux te le garder ton fusil de combat, il est bien, mais. Voilà. Bombe artisanale, pourquoi une bombe artisanale ici? Protéger et servir. Bon, là il y aura des pillards. J'ai pas rêvé, d'habitude il y a toujours des pillards.
Allez, on va sortir le protectron aussi. Dead. Duck. Nope. On va essayer fire. Ah, Duck, il a deux. Du coup, Duck, c'est-à-dire canard. Canard est un animal. Est-ce qu'il y a des mots ici là qui sont rapport? Rien du tout. From. J'ai pas fait, mais c'est pas grave. J'ai essayé. Bon, c'est pas ça. Moi, j'ai rien compris avec les similarités de... et tout, donc... moi, je suis toujours au hasard. Ouais. Mais sérieux, c'est Gnovi, ça. Et voilà. Ah, enfin, commande du protectron. Ouais, juste pour ça. Protectron au rapport. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants là-bas? Ouais, bof. Avancez, sérieux. Ouais. Oh, la chance. Ah. Mune, fusible. Oh. Mais merde. Je pense à mourir des fois. On vient Piper, on s'en fiche un peu de lui. Bon. Je vais m'occuper de lui. Ah, je voulais qu'il mute, mais bon. C'est quoi ça? Oh, une plasma, première fois que je l'ai celui-là. Déplacement plus rapide de 75% en visant. Ouais, mais je suis pas fan des armes à plasma. Je préfère un bon 10 mm. Ou d'autres pistolets, genre le pistolet de Kellogg, le .44. Lui, j'aime bien aussi, mais en ce qui concerne précision, c'est pas trop ça. Mince. Vraiment, là, je sais pas. Je suis pas très bon en visée. Ouvrez le feu! Tu l'as tué! Oui, c'est ce que j'ai fait, je l'ai tué. Affirmatif, madame. Oh mince, il y a encore un gars. Pourquoi vous jouez tous les héros? Peut-être parce que je suis un héros, le héros de l'histoire. Désolé Piper, mais normalement je peux pas lui faire de mal à Piper. Tous les journalistes font ça. Tous les journalistes font ça, non. Mais ils vont dans des zones dangereuses, oui, ça c'est sûr. Attends, une zone, des zones dangereuses du coup. Ouais, alors le Boston Bogle. Mais je m'en fiche un peu. Non, je m'en fiche de l'oreiller, de toute façon, ça sert à rien. Quoi? Encore toi? Ok. Normalement, il est pas censé avoir une valise. Je lui ai mis 3 balles alors qu'une balle aura suffi. Mais bon, comme les munes pour moi, c'est illimité là. Ouais, c'est pas comme tous les autres jeux. Enfin, tous les autres jeux, non, mais tous les autres jeux qu'on joue sans mode. Parce que là, il y a un mode, du coup, c'est différent. Surtout le mode que j'ai, il est très pratique quand même. Je peux avoir toutes les ressources, je peux avoir toutes les munes, je peux avoir toutes les armes. Mais bon, le seul truc qui m'intéresse, c'est toutes les ressources de fabrication. Oh, quel talent. Oui, je sais. Si vous venez habiter chez moi, pas la peine que je vous fasse un double. Non, t'inquiète. Donc, je disais que c'est toujours mieux d'avoir plein de ressources. Et mune, c'est ce que j'utilise le plus. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ce que j'utilise le plus, c'est cela. Où ils sont passés? C'est pas vrai! Je vais me cracher! Batte de baseball. Mais laisse-la tranquille, merde. Bah, pourquoi t'es déjà morte? J'aurais peut-être lui mettre de la protection. Mais bon, les steampacks sont aussi illimités. Puisqu'on en trouve assez souvent. Oui, je parle pas avec mon mode. Je parle sans mon mode. Voilà. Une glacière à drogue. Il faut aussi les déverrouiller avec les épingles à cheveux. C'est bon. Oh, mince. Ah mais si je peux encore les prendre, c'est vrai. Radix. Non. Non. Voilà. Je voulais juste allumer la caméra, la radio.
enchaîner de l'autre côté, ouais, c'est vrai. Enfin, dans tous les cas, j'ai pas besoin, ça va me ramener ici. Donc. Voilà. J'ai fait le ménage. Normalement, il y a une mine. Voilà. Non, je vais pas le descendre, il a rien fait, le pauvre. Je tue tous ceux qui me font chier. Ça veut dire que si on me tire dessus, eh ben je leur tire dessus, tout simplement. Et ouais. Alors moi, ça m'évite de tuer tout le monde. Ah, il y a des trucs à découvrir en cours de chemin. Est-ce que je les découvre? Non, non, je vais pas les découvrir. Pourquoi tu veux pas? J'aime pas ça, les ralentissements, c'est même chiant. Je vais pas aller là-bas, pas maintenant. C'est pas l'heure. Enfin, c'est tout le temps l'heure, mais. Non, pas maintenant. Pour ça, c'est chiant quand on connaît le jeu. On sait où est-ce qu'il faut pas aller maintenant, où est-ce qu'on peut aller, ou l'inverse, quoi. Là-bas aussi, c'est pas maintenant. Mais il y a des choses intéressantes. Enfin, je pourrais y aller, mais. Ce serait une perte de temps et pendant la mission, ce serait très chiant puisqu'il n'y aura plus rien à faire pendant la mission. Si on liquide tout. Du coup, je préfère éviter de liquider tout et avoir tout pendant les missions. Parce que faire une mission quand c'est trop safe, c'est chiant. Déjà là, c'est safe, c'est chiant, mais c'est cool. Enfin, safe entre guillemets, ça dépend quel ennemi il y a devant nous. Boing, boing. Oui, c'est chiant la balade. Il n'y a rien à faire sur le chemin. Mais n'empêche, avec le mode, ça me dérange pas de voyager comme ça. Puisque c'est vraiment très beau. Oh punaise. J'aurais pas dû le louper, le tir. What, mais t'es sérieuse? Elle était à 60%. Foutre-moi ça. Foutage de gueule, moi je dis. Là, 95%, t'es pas censé le louper. Louper, moi, louper. Waouh! Attention Piper, je suis là! Ah non, mais t'es à 73%! Ah oui, j'allais dire! Ouais, Piper, je me doute bien, mais. Si tu me connais très bien. Enfin, pas dans le game là. Moi, j'en arrive toujours là. C'est que je tue tout le monde. Enfin, tous ceux qui m'attaquent, bien sûr. En gros, si on me fait rien, on passe juste à côté de moi, mais on me touche pas. Ça va. En même temps, dans les jeux, on peut se le permettre. Hein. Alors qu'en réalité, c'est autre chose. Je me permettrais pas de tuer tout le monde. Bon, allez. Et après, j'irai peut-être à Diamond City avant de se quitter. Puisqu'à Diamond City, il y a une mission très bizarre, c'est une tâche. Faut ramener de la glande de mouche bouffie à une scientifique. Et c'est ça que je vais faire. Et après, dans ma prochaine vidéo, soit j'aide encore les miliciens, ou soit je serai. Enfin, j'irai à la taverne bizarre, je sais plus comment elle s'appelle. Où est-ce qu'il y a les frères russes? Je sais plus comment ils s'appellent. Ou polonais, j'en sais rien. Russe, moi je dis. Vous leur avez réglé leur compte à ces pillards? Je vous ai Ouais. débarrassé de ces pillards. Vraiment? Ah, c'est le genre de nouvelles que j'aimerais entendre plus souvent. Voilà, terminé. Informez les habitants de votre réussite. Nickel. Et maintenant, allez voir Pleston Garvey. Ok, on va aller le voir. On va se TP et après on va se re-TP encore une fois à Diamond City. Ouais, il y a beaucoup de TP, hein. Mais je suis désolé. Voilà, problème réglé. Et comme ça, il va nous activer notre quête, à moins que je vais pas lui parler maintenant. Non, je vais laisser comme ça, je vais lui parler plus tard. Quand j'aurai été à Diamond City, du coup, j'irai le voir à la prochaine vidéo, comme c'est lui qui va donner la quête. Et après, je vais m'enfoncer plus vers là-bas pour aller à Somerville. Du coup, je vais aller là et aller là-bas. Parce que Somerville, on a bien besoin de le faire, sinon ça va être un peu chiant. Enfin bref, on va arrêter de parler là, on va se taper. Mince. Cette touche là, oui, c'est comme dans sur Horizon que ça change de touche pour le faire. Ah, voilà. Ben, on va y aller. Ah mince, c'est la nuit. Enfin, il va faire nuit.
Bon, j'ai déjà récupéré la dernière édition puisque j'ai toujours pas récupéré. Vous avez rien de mieux à faire? Nat. Eh, hey, madame, l'interview que vous avez donnée à Piper se vend vraiment bien. Ouais. Tenez, voilà votre exemplaire gratuit. Thank you. Plus il est gratos, je vais pas me plaindre. Vu de l'abri, vous voulez peut-être le lire, j'ai quand même... le mettre, enfin, vous serez obligé de mettre sur pause puisque moi je l'ai déjà lu. C'était dans là. Dans divers. Et je cherche interview normalement. Ah non, vue de l'abri. Alors là, c'est la partie 1. Bah, vue de l'abri, première partie, un article de Piper White, The Public Occurrence. Du coup, vous pouvez mettre sur pause. Ainsi de suite. Ça, je vous laisse 5 secondes quand même. Hein. Comme ça, vous avez le temps de mettre sur pause. Mais ça, je l'ai déjà vu, donc... enfin, je l'ai déjà lu. Du coup, ça sert à rien pour moi de le relire. Et voilà, à suivre dans la deuxième partie. Yep. Du coup, on va voir la deuxième partie. Ça va être marqué, vue de l'abri, deuxième partie, un article de Piper White. Deuxième partie... Ah, il a l'air d'être moins grand cette page, enfin cette deuxième partie. Mais vous pouvez voir que déjà là, je vois qu'il y a Jenny, le nom et tout ce que j'ai vraiment dit, ça l'a mis. Et si j'aurais dit d'autres choses, bah, ça l'aurait mis aussi. Ça, je trouve que c'est très bien quoi, qu'ils ont fait ça comme ça. C'est un bon concept. Bah, je pense que c'est la dernière page là. Voilà, à suivre dans la troisième partie. Du coup, on va voir la troisième partie. Ouais, je lis un petit peu juste pour me remémorer un peu juste pour ce qu'ils disent. Mais bon, j'ai pas vraiment besoin. Ça, je vais pas trop vite pour tourner les pages, enfin, je pense pas. Parce que hein, je dis 5 secondes, mais généralement ça dure même pas 3 secondes quand je passe les pages. Et voilà, c'est la fin. Donc, on va continuer et on va aller chercher notre tâche avec la glande de mouche bouffie. Mais s'il fait sombre... Il paraît que ça va être fermé. Ok. Alors, Science Center. Ça rend bien. Professeur, j'ai une nouvelle théorie quant à la façon dont l'Institut fabrique les synthétiques. Ah non. On avait banni ce sujet de discussion. Tu te souviens? Après les cris de la dernière fois et le fait que j'ai dû dormir sur le sol glacé du labo pendant 3 nuits d'affilée. C'était ton choix. Sérieusement? Faire pousser les synthétiques dans la Terre à l'aide de noyaux atomiques de plantes recombinées? Comment veux-tu qu'ils puissent? Ah, tu vois bien que t'as envie d'en parler. Oh, regarde, on a de la visite. Si tu pouvais t'occuper d'eux pendant que j'abandonne cette conversation. Salut, vous êtes là pour le cours de biologie du jour? Un cours de bio? C'est exact. En général, les enfants de l'école sont les premiers à arriver, mais je vois pas pourquoi je pourrais pas commencer le cours avec vous. On parle des radiations comme si c'était un phénomène tout simple, mais savez-vous que ce terme fait en réalité référence à plusieurs dizaines de rayons ionisants différents? Il y a les rayons X, les rayons bêta, les rayons gamma, mais lesquels nous inquiètent le plus? Lesquels sont les plus associés aux bombes qui sont tombées il y a 200 ans? Rayons gamma. Les rayons gamma? Bonne réponse! Donc, les rayons gamma, c'est mauvais. Très mauvais même. Si votre corps absorbe trop de radiations de ce type, vous souffrirez de fatigue et même d'anémie pour finir par en mourir. Mais certaines formes de vie arrivent à vivre au milieu des radiations gamma depuis 2 siècles et elles se sont adaptées. Impressionnant, non? Ouais. Ouais, c'est très intéressant. C'est tout l'intérêt de la science. Rien ne reste figé. Tout réagit sans cesse. Il est désormais temps de passer à la partie excursion de notre cours. On y va? Une excursion? C'est exact. À vous de jouer et de découvrir la science par vous-même. Et de revenir, bien sûr.
En général, je réserve un cadeau pour le meilleur scientifique subalterne du jour, ce qui signifie qu'il sera automatiquement pour vous aujourd'hui. Alors, qu'en dites-vous ? Ça marche, j'en suis. Vous allez donc partir en excursion pour me trouver une glande de mouche bouffie. Voyez-vous, la mouche bouffie qu'on connaît aujourd'hui est l'évolution d'une autre espèce de mouche plus petite. Son adaptation à la radioactivité s'est traduite par l'apparition d'une glande absolument unique qui lui permet de s'équilibrer et de conserver une grande vitesse malgré sa taille. Alors, qu'en dites-vous ? Ça vous tente d'en trouver une et de la disséquer ? Trouver une glande de mouche bouffie ? Compris. N'oubliez pas, il me faut la glande intacte. Oh ! Et ne vous amusez pas à la mâchouiller, surtout. Un de mes élèves a voulu essayer l'autre jour. Ça l'a rendu malade comme un chien. Est-ce que tu crois vraiment que j'ai essayé ? Ah, tu me parles ? Ok. J'essaie. Pour moi, vous faites bien plus qu'essayer. Ça me plaît. Il y en a si peu qui se donnent la peine. Bien sûr, si vous voulez changer les choses, la bonté à elle seule ne vous mènera pas loin. Il suffit de regarder Diamond City. Je me tue à prévenir les gens des vrais dangers qui nous menacent, mais chaque fois que je publie un article, on me dit « Hé, Piper, pourquoi tes articles sont toujours aussi moroses ? Piper, tu pourrais pas écrire un papier optimiste pour changer ?» Des fois, ça me donne vraiment envie de jeter l'éponge. Je vous comprends. Ça a l'air épuisant. Sans rire. Mais les gens méritent de connaître la vérité. Évidemment, ça peut être effrayant de savoir à quoi on a affaire. Il se passe pas une nuit sans que je me demande si un drone de l'Institut ne va pas rendre une petite visite à Piper et à sa famille. Mais ça en vaut la peine, parce que je connais la vérité. Et c'est ce qui nous protège. Vous avez peur, hein ? J'ai failli me laisser avoir. Je suis têtue, mais pas dingue. Franchement, c'est plus pour ma sœur que j'ai peur. Je sais pas ce que je ferais s'il lui arrivait malheur. Et je ne suis pas la seule à avoir quelque chose à perdre. C'est pour ça que les gens doivent savoir la vérité, qu'elle soit bonne ou non. C'est tellement vrai. Comment se protéger et protéger les siens quand on ignore ce qu'on affronte ? Exactement. Cela dit, la plupart des gens préfèrent un mensonge rassurant. Pas moi. J'ai vu de mes yeux ce que la vérité peut faire quand elle éclate. Ma sœur et moi, on a grandi dans un petit village paumé, au milieu de la campagne. Notre père faisait partie de la milice locale. Il disait souvent qu'il faisait ça pour chasser les pillards de nos terres et les fangeux de nos chiottes. Et un jour, il est mort. Son capitaine, un abruti du nom de Mayburn, nous a dit que c'était les pillards qui avaient dû le cueillir pendant son tour de garde. Je l'ai pas cru. J'ai mené ma petite enquête et j'ai découvert que ce type était un traître. Il trouvait qu'il n'était pas assez payé pour veiller sur le village. Il avait prévu de laisser les portes ouvertes une nuit, pour laisser une bande de pillards mettre le village à sac et prendre sa part du magot. Mon père l'avait appris et il allait le dénoncer, mais Mayburn a été plus rapide. J'allais pas laisser ce fumier s'en tirer impunément. J'ai essayé d'en parler au maire, mais il a rien voulu entendre. Alors j'ai collé des affiches dans tout le village, recherché pour grave manquement à son devoir, capitaine Mayburn. Après ça, le maire a bien voulu me parler. On a flanqué Mayburn dehors et on s'est barricadé. Quand les pillards sont arrivés, ils ont pas été déçus. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, ensuite ? On s'est débrouillé. Ma sœur était très jeune à l'époque, et maman... On pouvait pas compter sur elle. Alors on a vécu un moment grâce à la générosité des autres. J'ai fini par mettre suffisamment de côté pour qu'on puisse partir avec une caravane qui se rendait à la grande ville. On ne l'a plus quittée depuis. Vous avez sauvé ces gens ? Non, ils se sont sauvés eux-mêmes. Parce qu'ils savaient la vérité. Mais je parle. J'ai du mal à m'arrêter parfois. Désolée. Ça fait simplement plaisir de parler à quelqu'un qui a l'air de comprendre ce que je raconte. Enfin, bref, on y va ? Bien sûr qu'on y va. Bon, bah du coup, les gens, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois, comme d'habitude. Mais je pense que... Je sais pas sur quel jeu encore. Je pense faire... Une par jour, enfin, une tous les deux jours, je mets une Fallout et une tous les jours, je mets du Horizon pour l'instant, comme je fais que ces deux-là. Donc, je pensais faire ça. Donc, vous verrez le lendemain pour vous. Je ne sais quand vous regarderez. Donc, je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde. Bye!